Et la démission étant réelle, la Cour ne pouvait que tirer les conséquences pour indiquer l'autorité devant désormais assurer l'intérim, en tout cas, je dirais, exercer les prérogatives du président de la transition. Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation.